Voici les formidables voitures Rapid Nord LS Model. Et nous allons observer les attelages. Nous savons que les attelages LS Model sont quelquefois sujets à polémique. Et ici, c'est le cas. Nous allons observer la liaison entre deux voitures. Nous allons nous positionner par le dessus pour mieux observer le phénomène. Voilà. Les attelages sont donc bien en ligne droite. La voiture va avancer. Et que voyons-nous? Nous voyons l'attelage s'en aller vers l'extérieur, alors qu'il devrait rester bien positionné en ligne droite. Nous regardons maintenant la voiture suivante. Ici, c'est le contraire, vous voyez. Dès qu'on avance, les attelages sont expulsés vers l'extérieur. Dernière voiture, là c'est moins visible puisqu'il y a moins de poids sur l'arrière, donc ça se fait d'une manière un peu moins visible. Nous comprendrons bien que dans ces conditions, notamment dans les fortes déclivités, dans les rampes, que ces voitures sont sujettes à une traction importante, que les attelages donc sont chassés vers l'extérieur et qu'il peut en découler dans certaines courbes des déraillements.